Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi magnifique, parfois incroyable, enfin exceptionnelle les gars. Pourquoi les gars? Et oui, aujourd'hui présentation du tout nouveau véhicule qui vient de sortir ce matin les gars. Je vous le présente maintenant, voilà, je vous le présente aujourd'hui, voilà, direct, c'est lui direct, je vous le présente direct. Du coup si vous n'avez pas vu ma vidéo sur GTA 6, je vous affiche la miniature juste maintenant les gars. Si vous n'avez pas vu la photo, enfin la vidéo sur GTA 6 avec la salle, n'hésitez pas à aller voir le CD et tout. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas, vous avez le lien en description. Sinon, vous allez sur ma chaîne, vous avez le lien directement. En tout cas, aujourd'hui, présentation de la toute nouvelle voiture. Donc, c'est celle-ci. Voilà, la Obey i-Wagen. Donc, c'est un véhicule qui coûte, ma foi, plutôt cher. Franchement, je trouve quand même qu'il est cher. 1 720 000. Donc, c'est une Audi. Voilà, c'est une Audi. Alors, je sais pas c'est quel Audi exactement comme Audi, mais je sais que c'est une Audi. Voilà, c'est un SUV électrique apparemment. Ah ouais, nouveau véhicule électrique. Ok, pas mal, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et du coup, 1 720 000 pour le prix. On va voir la customisation, voir ce qu'il en est et on va tester tout simplement. Apparemment, il est tout en électrique. Donc, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de véhicule. Ah ouais, c'est électrique. Hein. Effectivement, le véhicule électrique. Bon, on va le custom. Mais effectivement, il est bien électrique. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors j'aimerais bien savoir c'est quoi comme véhicule dans les commentaires. S'il y a des connaisseurs de voitures, dites-moi à votre avis, c'est quel véhicule dans la vraie vie. Alors, Audi, peut-être le e-tron. Non. Il n'y a pas un 4x4 comme ça. Je crois qu'il y a un 4x4 comme ça. Bon, enfin bref. Blindage à fond, frein, on met à fond, pare-choc, on met... compétition couleur 2. Moi j'aime bien le base hein. J'aime bien le basique de série, il est vraiment vraiment beau, regarder avec les petites vagues et tout. On va laisser de série arrière, on peut peut-être changer un peu l'arrière par contre, on va voir comment il est avant. Ouais, l'arrière on peut mettre celui-là à la limite. Ensuite capot, alors on a plusieurs capots, on a plusieurs caca. On va mettre quoi comme capot? Rallye et performant de série, il est comme ça. Moi j'aime bien celui-là, rallye. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, tu vois, j'aurais bien voulu qu'il soit plus discret que ça, tu vois. Genre, je vais mettre celui-là. C'est un peu plus discret, c'est pas mal. Sur les côtés, c'est beau. Ensuite, éclairage. Phare xénon, kit néon, support néon, on verra après pour la couleur. Motif, alors ça va être très important. Les motifs, qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme motif sur ce véhicule? Ok. Après, il faut savoir que c'est un véhicule. Enfin, c'est un véhicule, j'ai envie de dire, électrique. Donc, un véhicule électrique, en termes de motif, c'est pas trop ça. Hein. Franchement, en termes de motif, c'est pas ça. Alors, je sais pas si je mets. Ah, est-ce que je peux modifier la couleur? Ou alors, on part sur un truc un peu plus discret, quoi, genre ça. Je vais tester ça. Attends, c'est quoi? Je vais modifier la couleur, au pire. On va mettre jaune sur noir. Ensuite, peinture, voilà. Peinture, couleur principale. On va voir un peu ce qu'on peut mettre en couleur. Après, c'est vrai que les SUV, c'est vraiment compliqué de choisir des couleurs. Je sais qu'Audi, j'aime beaucoup le vert sur les Audi. Un peu genre un petit vert. On peut se mettre un petit grinardo à la limite. Grinardo, c'est dans les métaux. Tu vois? Un petit grinardo comme ça, c'est pas mal. Ça c'est en métaux. Grinardo. Qu'est-ce qu'on peut mettre en grinardo? Bleu pétrole, bleu racing. Non. Faut que je parte sur un grinardo, je pense. Mais le problème c'est que c'est compliqué de trouver du grinardo. Tu vois, assez sombre à la limite. Quelles les couleurs là? Assez sombre. Avec un nacré. Un nacré noir un peu. Non.
Faut mettre un lacré un peu noirci, genre. Genre noir. Ouais, je suis pas satisfait à 100%. En fait, je vais voir après. Je vais voir après, les gars. Et pareil, couleur secondaire. À partir soit de la saison, bah, les gars. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux, les gars. Ok, voilà. Par contre, les jantes de la Audi, là, je sais pas ce qu'ils ont fait Rockstar, mais c'est pas... Aileron. Ah, il y a un petit aileron. Ok, pourquoi pas. À la limite, je vais le mettre en carbone. Suspension de compète. Alors, type de roue, on a muscle car, on a pas mal de roues. Je pense partir sur un... Sur des roues, déjà, déjà, on va mettre ça. Voilà, au pif. Hein. Je vais juste au pif, juste mettre la couleur en noir. Voilà. Et voir ce qu'on peut faire en termes de couleur. En termes de jantes. Faudrait des jantes un peu du même genre. Donc déjà ici il n'y a pas. Le rider je pense pas trouver un truc. Un seul car non plus. Peut-être dans sport. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans sport? Non. SUV. SUV quoi, c'est un SUV. C'est vrai qu'à la limite, un SUV ça peut passer. Parce que les jantes de serre elles sont comme ça, les gars. Elles sont belles, mais on peut pas les mettre en noir, ça qui est dommage. Tuning, on a quoi dans tuning? Bon, je vais aller voir dans circuit, les gars. Dans le circuit, peut-être qu'il y a des trucs. Ah, celle-là, j'aime bien. Super luxe. Elles sont pas mal. Franchement, elles sont pas mal. Super luxe, j'aime bien. Ouais, celle-là, j'aime bien. Je trouve ça pas mal. Après, c'est vrai que. Bon, franchement, pour l'instant, je valide. Après, peut-être que le motif, c'est pas ouf. Tu vois, si je mets lui, ça passe. Je vais voir ce que j'ai d'autre. Ouais, on a ça aussi. Ouais, en termes de motif, c'est pas la joie. Franchement, c'est pas la joie. Ouais, je vais partir sur ça, les gars. Je vais vraiment faire un truc basique. Ensuite, vitre. On va mettre des vitres teintées. Ouais, franchement, je suis parti sur un grignardeau. Voilà, je suis parti sur un grignardeau. Après, on va mettre peut-être l'éclairage. Phare xénon, couleur néon. On va mettre un petit bleu électrique, ouais. Ok. Et eh bien voilà ma customisation, les gars, du coup. Bah voilà la customisation que j'y mets en fait sur ma voiture. Voilà à quoi elle ressemble. On va voir en première personne ce que ça donne. C'est pas mal. Alors est-ce qu'on a modifié les couleurs finition là? Je crois pas. Normalement on peut. Oh, non, il n'y a pas sur le véhicule là. Ok. Eh bien voilà à quoi il ressemble mon véhicule les gars. Moi j'aime bien, voilà, je valide fortement, j'ai envie de dire. Je trouve plutôt beau. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, personnellement moi, je kiffe. Voilà, je valide. On verra pas bien 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 parce qu'il fait nuit actuellement. Il est quelle heure là? Il est minuit, ouais. Il fait nuit. Mais en tout cas, écoutez le bruit. Je parle plus, écoutez. C'est un véhicule électrique, je suis choqué. C'est un véhicule électrique, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de véhicule électrique, les gars. Alors j'essaie de le mettre à la lumière un peu. Waouh, il est beau, franchement, les gars. Franchement, les gars, j'ai fait une bonne custom. Franchement, j'ai fait une bonne custom. Voilà. Hop, je vais mettre en première personne. Je kiffe, voilà, je kiffe. Hop. Donc voilà à quoi ressemble mon véhicule. Je suis parti sur un grignardeau un peu. Et je suis parti sur vraiment un truc basique, genre noir, noir-gris. Plutôt simple. Il est beau, je kiffe. Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez. Notez-moi sur 10 ce véhicule. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner, c'est pas déjà fait. Sur ce, ciao.